Eh ouais, Yannis, sauvez-moi. Grave. Oh, le manche. Maman, mais c'est Gustin. Ah, Yannis et José, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Encore en train de préparer un mauvais coup? Sérieux, t'as un sacré flow, là. Grave, Yannis, sauvez-moi, on dirait un touriste hollandais. Et pourquoi vous dites ça? Je vois pas de quoi vous parlez. Frère, ton Bob. Sauvez-moi, ton chapeau, on dirait les trucs, t'as juste un bridou. Avec la canicule, c'est très important de protéger sa tête du soleil contre les risques d'insolation qui est très dangereux. Ouais, ouais, c'est sûr, t'as vu, mais arrête, tu peux couvrir ta tête aussi avec un truc un peu moins manche. Sauvez-moi, ouais, la vérité, là, tu ressembles à rien, Gusté. José, il ressemble au mec dans les reportages, t'es allé camping et tout. Ce Bob, c'est papa qui me l'a fait cadeau. Maman, mais sauvez-moi, ton père, il veut vraiment que tu restes célibataire à vie. Mais grave, hein, son Bob, c'est un repoussoir à meuf. Mais il veut surtout que je reste en bonne santé. Maman, sauvez-moi comme t'es vilain. Bon, allez, je sais même pas pourquoi je me suis arrêté de vous parler. Je vais être en retard au club des loisirs et mathématiques. Ciao les nulos. Ciao, Gustin. Ciao. Wesh, il a dit loisirs et mathématiques. Maman, la dépression là-bas, ils doivent tout savoir ce Bob. J'imagine 30 mecs avec ce Bob.